Et salut tout le monde, c'est Uzo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play ou Playthrough, comme vous voulez l'appeler, sur Final Fantasy. Donc là on va donc attaquer donc le fort, un nouveau fort ennemi. Donc ça on l'avait déjà vu. Et on avait dit non qu'on était prêt, mais si on est prêt. Allez, c'est parti. Donc rappelez-vous, capturer un prisonnier, éviter le maximum le combat. Et bah on va y aller, mais je pense que ça va être encore assisté de ouf. Comme la dernière fois, rappelez-vous, les combats ils étaient un petit peu assistés. L'infiltration pardon était assez assistée et le combat à la fin, bah c'était un peu du codé quoi. T'as le mec de la foudre qui est venu nous aider. Après j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu ce pouvoir en accès. Donc je pense que je suis pas quelqu'un d'unique, mais je pense que j'ai de la chance. Même les n'importe quel PNJ est bien modélisé, ça c'est cool. Donc on va suivre le commandant. Donc j'ai mis ma tenue pour le combat. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Ok. Moi je me jette dans la masse. Je suis un fou. Allez hop, on va le suivre. Ah le fail que j'ai eu. Ah ce fail, franchement ce fail que j'ai fait là, je comprends pas pourquoi j'ai fait un fail pareil. Bon cette fois c'est la bonne. On va suivre le commandant hein, et quand il nous demandera de le tuer, on le tuera. Oh l'éternuement que j'attendais pas est sorti d'un coup. Excusez-moi. Allez c'est parti, on suit le commandant, cette fois on fait pas de conneries. Je suis le roi des andouilles perso. Mais bon c'est pas une infiltration si je peux pas tuer les mecs. Ok. On va avancer sans se faire repérer. Ok, ensuite je vais aller où? On va par là, je pense. Ok, nickel. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, il est déjà là, Inis. Putain, il m'a rattrapé rapidement. Hein. Notre infiltration se passe bien pour l'instant. Mais Donc c'est lui qui a tué Ah le petit bâtard. Donc c'est lui qui a tué notre pote quoi. Enfin le vieux quoi. Putain là t'as tellement envie de te venger quoi c'est... Mais c'est imprudent. Waouh. Oula. Donc là on a la possibilité de faire les éclipses fatales. Mais j'ai pas envie d'en abuser. Du coup ils vont droit devant, donc ils vont profiter pour aller là. Ok. Je vais attendre un peu quand même.
qui passe. Où est-ce que je pourrais aller là? Ok, un petit objet à récupérer ici. Joint myrtille. Je sais pas où où, jusqu'à où il va aller. Mais là, il nous reste pas beaucoup d'éclipses tactiques. Donc là, il a l'air d'être seul maintenant. Mais bon, ça va être chaud. Parce que là, je peux me faire repérer. Je vais me mettre là-bas. C'est pas top, mais au moins... Ok. Nickel. Je me suis même pas approché derrière lui, je l'ai foncé dedans direct. Ok, le combat il commence. Mais du coup, là je suis tout seul là. Là on va pas chercher, on va pas faire le fifou. On va se mettre des PV en plus. On va se donner un peu plus de chance. Ok, on va nettoyer un peu. Allez hop. Ok, on fait le nettoyage. Nickel. Ouh. Nickel. Oula, ça pue. Bon, on va l'analyser. Au moins, on va savoir. Parce que celui-là, je crois que j'ai pas encore analysé. La MX Manipulus. Waouh, le nom un peu latin. On va voir ce qu'il a comme technique, ce type. Ouais, super. Donc mes armes serviront pas à grand chose. Le croc du lion, je suis trop faible pour l'utiliser. Par contre, ouais, j'avais oublié, je m'étais équipé du sort de glace, mais là, il n'est pas du tout utile. Donc on va prendre la lance au diamant. Tant que je pourrais l'améliorer là, la lance au diamant, ça c'est une bonne chose. Nickel. Bon, par contre ça... Allez, 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 allez. Allez Gladius, tu vas me faire un petit tourbillon. Alors, faible aux éclipses. Par contre, j'ai pas compris. On est tous par terre d'un coup là. Super potion, on va mettre sur Doc. Une potion. Ah bah non, c'est moi de l'ami. Il l'a remis en bonne position. Ok. Allez, petite balle perçante. Allez, hop, les gars, on enchaîne là. Allez, 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 allez. On enchaîne. Petit tourbillon et on finit. Allez hop, ça c'est fait. On défonce ça les gars. Et ce sera terminé. Putain,
Putain, j'arrive pas à le détruire. Ah, manœuvrer, on peut le manœuvrer. Et ensuite. Ah bah voilà. Bah voilà, il y avait rien de plus simple. Moi, je t'attends à attaquer comme un Google. Ok, base nettoyée. Enfin nettoyée. On a détruit le poste, l'avant-poste, c'est déjà pas, pas mal. Ensuite, rejoindre Iris à Violet Slum. Ok, bon bah c'est parti, on va sortir d'ici déjà. Oula. Ah ouais, carrément la petite compatante. Du coup, on va se la faire. On va un petit peu analyser ce cas-là. C'est bien la stratégie. Au début, je disais que c'était un peu... Non, je vais pas l'utiliser. Mais au final, je l'utilise parce que... Tu trouves les points faibles des ennemis assez facilement. Tu les niques assez rapidement. Ça, c'est un point fort. Allez, hop. On a bientôt fini d'analyser. Ça, faut que je l'améliore aussi pour qu'on analyse assez plus rapidement. On perd moins de temps. Ok. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre un petit sort sur Nock. Donc le croc du lion on va le garder, mais au niveau du sort, on va mettre un truc bien plus... Allez hop, on va s'amuser déjà. Allez, on va s'amuser, ma poulette. Oula. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Allez, Noctis. Allez, hop, un petit combat. Elle m'a fatigué là. On va se prendre un super élixir knock. Nickel. Allez Gladio. Allez, encore un tourbi. Putain, j'arrête. On peut pas la combattre dans les airs. Si, 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 on peut. Ouh, c'est quoi ce combat de... J'ai jamais vu de combat comme ça dans un FF. Ça, ça fait mal. Allez, un petit marquage, Inis. Oh là là, j'ai eu de la chance. Allez. On va se la faire. Ok. On va se mettre un méga phoenix. Méga phoenix, allez. Je vais te défoncer. Ouh, elle est chaude, elle. C'est un truc de ouf.
Attends de me mettre à mal là. Attends de me mettre à mal, ça va être chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez hop. Allez Gladio, finis là putain. Elle est un peu bizarre quand même, hein. En tout cas, ça a fait mal, hein. Franchement, c'était un combat de ouf. Surtout les combats dans les airs là. Alors l'action c'était un peu du brouillon. Je te l'avoue, je comprenais rien ce que je faisais. Mais c'était vla classe quand même. Vla, c'était beau quoi. J'ai l'impression de jouer à Dissidia. Je sais pas pour les connaisseurs, Dissidia, ça me faisait vachement penser à ça quoi. Du coup, voilà, ça sera bien pour un mal quoi. Ouais, je pense surtout là qu'on va faire une pause, je pense, et après on va repartir sur KM. Mais voilà le combat de folie. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. À chaque fois, ils se retrouvent au bout de leur lit, mais ils font rien. Ouais, ça va, j'ai pris pas mal de level. Oh, pas mal. Ça, elle est magnifique. Ça, là, elle est belle. Ok. C'est parti. Allez, on reprend la voiture direction KM. Demande à Nice de vous conduire sur Cap. Bah ouais, enfin je vois pas grand chose à faire là. Y a pas grand chose à faire. Non, bah pas vraiment grand chose à faire. Attends, par contre lui il vend. Quoi? Kit de réparation, souvenir de Dissidia, bah tiens on parle de Dissidia. Ouais par contre j'ai plus beaucoup de trucs hein. Ouais oh, j'ai plus de sous. Mais c'est abusé. C'est abusé, je sais pas où ils partent les sous mais. Ils partent hein. Allez, on va conduire au Cap KM, c'est parti. Allez, direction. La suite de notre voyage. En espérant qu'il soit pas trop long. Et en espérant qu'on se fasse pas arrêter par d'autres gardes qui seront là juste pour nous casser les burnes. C'est vrai que l'autre on l'avait quand même bien dégommé, c'est le premier boss, le premier général qu'on avait vu. Après on avait eu le frère de Lina Freya qu'on n'a pas combattu du coup.
Et après, on a eu donc une autre, un autre. Moi, je vais les appeler les lieutenants. Je sais pas comment on peut les appeler. Donc elle, Edriana, si je me trompe plus, pas. Putain, elle était vachement plus puissante, quoi. Mais en même temps, elle n'utilisait pas de véhicule. Elle, c'était vraiment corps à corps. Mais en fait, on pouvait pas l'enchaîner des dégâts. Fallait vraiment rester à distance pour lui faire quelque chose. Et même le tourbillon de Gladio, il faisait pas beaucoup de dégâts quand même. Sur ce point-là. En tout cas, on se rapproche un peu de cette grosse chose là-bas. Il y a une sorte de d'arbre à l'envers, on dirait que les racines ressortent. Attends, Malman, ça a été au fourré. Bah écoute. Le diamond au cœur de la base. Bon bah écoute, on va y aller. On est là, autant y aller, hein. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait trop de forêt. Ok. Donc on va vaincre le démon du corps de la base. C'est parti. Je me sentais pas trop prêt, mais bon, on va y aller quand même. Il y a un sanctuaire là, c'est ce que je me disais. Ouais. Ouais, je vais pas les appeler maintenant. On va préparer le dîner. On va un peu se buffer. Pour un diamond, c'est pas facile à défoncer. Ça, je pense que vous le savez. Hein, on en a recruté pas mal au début du jeu quand on était dans la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on va bouffer? On va bouffer une soupe. Un cup noodles, voilà. J'allais dire une soupe miso, mais c'est pas une soupe miso. Allez, c'est parti. Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai habitué à jouer à Metal Gear, du coup j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà, c'est parti. Bon. Donc normalement là on a notre buff. On va faire un autre sort. Ok. Est-ce que j'ai assez de cristaux de glace? Non, tu vois, j'en avais pas assez. Donc du coup, je vais aller dans magie. Et on va la créer. On va faire un full comme tout à l'heure. Comme la dernière fois qu'on avait fait ça. Tac, tac. Extra glace. Sans ça, c'est un extra glace déjà, donc ok. Glace infectueuse, ça avait fait pas mal de dégâts. On va partir sur ça, tiens. Synthétiser, parti. Ouais, hop, on va déjà s'équiper de ça. Et on absorbe le reste, voilà, comme ça. Ça nous enlève déjà un petit peu. Alors les objets, il m'a dit d'appeler les chocobos. Mais j'ai pas la chocobo. Ok, nickel. Ah oui, c'est vrai, ils peuvent pas aller dans l'eau. Bon, on va faire comment pour traverser du coup? Ils veulent vraiment que j'aille là-haut, quoi. Ah, oh, il y a un pont, c'est bon. C'est parfait. Allez, va sur la route, allez. C'est ça qui est chiant, c'est que quand t'as pas d'endurance, et bah ton personnage te décide de faire ce que bon lui semble, tu vois. Et ça, c'est chiant. Clairement. Pourquoi je peux pas faire de chocoflûte? Ok, tant pis. Ok, on continue.
continuer notre avancée. Et plus très loin dans tous les cas. On est à 700 mètres. C'est vrai que le chocobo là ça aurait été parfait, mais on peut pas les appeler. Il me demande de les appeler, mais je vois pas comment les. Je sais pas comment faire. Ça me paraît bizarre aussi, mais bon. Bon, on va essayer de traverser la forêt, hein. Ça va aller plus vite. Je pense que par là on peut passer. Sinon je pense que je me serais déjà heurté à un mur invisible. Connaissant ce genre de jeu. Ok. Allez hop. Nickel. Hop, inspire encore, non moins. Attaque de dos, nickel. Allez, prompto, un petit tir. Hop. Une abeille tueuse en moi. Ok, nickel. Bon, c'est gentil. Allez, je parie que c'est un donjon. Mais pourquoi il me faire... fourré de mal mana. Putain, je le sens tellement mal là. Je veux pas y aller, c'est vous qui m'obligez à venir là. C'est même pas mon level. Vous vous rendez compte? Allez, on attaque. Par exemple, ça. Ça craque quoi ces merdes? Ouais, bah c'est bon, c'est parfait. Allez, hop. Ouh, j'ai pas réussi à parer. Ok, lui. Ok. Ah, une petite balle, mec. Nickel. Ok, nickel. On avance toujours dans cette forêt. Alors, la guêpe, qu'est-ce qu'elle craint? Ok. Ok, c'est parti. Ouh. Ah, même pas. Hein. Ah ouais, c'est une healeuse, c'est pas mal ça. Elle va nous aider au fait. Allez, hop, mets-moi une petite balle dedans là.
Ouh, la Légion qui va nous aider à le vaincre. Ok, nickel. Nickel, nickel, on avance. Putain, là je peux rien faire. Non mais je peux rien faire. Je suis infecté là. Ah putain, je suis infecté, arrête de foncer dans le mur. Purée. Eh, franchement, ça c'est quelque chose. Fais-nous un petit tourbillon là. Ah ouais, je suis perdu là. Ok. Ouh. Oh là là, c'était chaud. Alors, cette glace, tu vois, faut la lancer quand mes alliés ne sont pas là. Ok. Alors, vous la connaissez celle-là. Et voilà, j'ai lancé la glace alors que je voulais pas. Je me suis trompé de sort, merde. Du coup, je gaspille un sort de glace pour rien. Allez, 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 allez. Quel tourbillon, Gladio. Nickel. Ok, il y a un élément de feu à récupérer ici. Mais comme j'en ai pas besoin, on va remonter cette petite rivière. On est plus très loin de ce que je pense être le boss. Ok. On va y aller direct. Allez les potes. Ok. Bon, là j'ai été touché par le... par je sais pas quoi. Et du coup... Hop. Allez, 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 Prompto, il est par terre. Mais putain, moi aussi je suis par terre. Faut qu'il me sauve là. Avec un marquage. Allez, hop. Allez, fais un petit enchaînement. Qui je pourrais attaquer? Vas-y, lui. Merde, il peut plus rien faire. Attaque les moi là. En tourbillon. Ok. Alors. Là j'ai la possibilité. Bah Prompto il est pas dispo. Je sais pas ce que tu fais Prompto. Ok, fais-moi une petite balle perçante sur lui.
Ok. Non, mais pas là. Pas là, pas là, pas là. Pas là, pas là, pas là, pas là. Allez, heal-moi. Ok, nickel. Faut que tu refasses une petite balle berçante sur... sur cette mocheté de la nature. Fuck. Ok, le mandragore il bug. On va s'en occuper. Putain, le crabe il me l'a. Il me veut pas m'oublier. Hein. Allez, knock. Ok, lui c'est bon. Allez, maintenant on le finit. Combo. On prend les cristaux de glace. Nickel. Et non, cristaux de ça c'est bon. Ok. Super. On va prendre. Bon, on va régénérer avec le temps. On n'a pas d'autres possibilités, je trouve. Allez, on avance. On va arriver au cœur. Au cœur de la base. Oh. Les gars, ça va être chaud là. Ok, nickel. On va se le faire. Bon, du coup, là, je vais quand même me mettre. Ok, on va l'analyser. Là, de toute façon, Noctis, il perd son arme, il a tonne tombée. Allez, hop. À quoi tu n'es pas résistant? Ok, nickel. Alors, la foudre. La foudre directe. Noctis. On peut changer ça maintenant. Ok. Équipement, normalement je peux le changer maintenant au sort immolatrice. Non, ok. Dommage. Dommage, dommage. Bon, là, je suis mort. Là, je suis par terre. Allez, hop. Vas-y, Gladio, fais le ménage. Ok. Alors, hop. Là, on va se faire une petite balle perçante. Oh, c'est parfait. Imperfect. Et là, faut qu'on se fasse un marquage maintenant. Ok, j'enchaîne. On va donner la potion à Prompto. Nickel.
Ok, nickel. Nickel. Allez, un petit tourbillon de Gladio. Bon, c'est pas un parfait, c'est un jaune, mais... Ok. Alors là... Nickel. Ok, hop, mon sort, on va lui faire un peu mal. Mais là, Prompto, il va lui faire imperfect encore. Allez, hop. Ok. Gladio tourbillon. Ouais, par contre ça c'est abusé. x2 comme ça. Par contre elle lit pas trop la sœur de... Elle donne vraiment... Le heal aux mauvaises personnes. Allez Prompto, faut que tu me fasses encore un perfect. Bon merde, raté. Allez les gars, on enchaîne. Ok, nickel. On renvoie Prompto avec une balle perçante. En vert, en jaune, pardon. Nickel. Nickel. Il est tombé. GG les gars. GG les gars, on a réussi. On a win. Et là je suppose, ah ben voilà. Ce que je me disais, il y a bien un turbo royal, sinon on serait jamais venu ici. Allez, Sésame, ouvre-toi. Et qu'est-ce qu'on a loot là? Un spectre? J'espère que c'est un truc pour il. Alors, qu'est-ce qu'on a loot? Alors, spectre du sang. Voyons voir. Vous ne pouvez pas changer ça maintenant, ok. Yeah, nickel. 9000 d'XP, putain. Là, on XP bien, là. Non, on ne peut pas changer ça maintenant, ok. Bon, c'est pas un problème. Bâton d'or qui était très proche, il frappe les ennemis avec une lame de lumière. Ah, intéressant ça. Intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va la mettre là. Et on va la tester dès que possible. Ok, voilà, les commandes, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, il a que cette tactique. Gladius. Ah, il peut faire autre chose. Faites une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à un ennemi. Bouclier du roi, mettre rapidement à couvert et lui permettre de faire une attaque spéciale. Oh, faites une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à un ennemi. Critique, ok. On va la tester celle-là. Personnage, marquage. Bon, ça c'est normal. Ok, nickel. Et je pense que là je peux augmenter un peu mes compétences aussi. Oui, large. Largement. Augmente la résistance des points d'un point de vue, augmente la force des personnages d'un point par niveau.
Bon, c'est pas encore soutien, voilà. Permet une puissante attaque vis-à-vis à terre. Ok. Augmente davantage les dégâts infligés par les combos. Ouais. Faire une attaque spéciale au début d'un combat augmente la charge de commande. Ok. Analyse permet de détecter plus d'ennemis au début du combat pour découvrir leurs faibles. Ah, ça c'est intéressant. Permet d'infliger l'altération d'état poison aux ennemis sur laquelle enchaîne plusieurs. Ok. Faire une contre-attaque donc avec une lance, il peut tout en absorbant les PV d'ennemis. Soutien d'enchaînement, ça doit être pas mal. Augmente les dégâts infligés lors d'un enchaînement s'il ne subit pas lui-même. Donc, ça, je l'avais déjà pris. Ouais, augmente l'avantage des attaques de dos. Ouais, permet d'afficher des quick sticks avec. Ok. Ok, permet de déplacer dans les airs. Ok. Augmente les PM de 1 par niveau, augmente, réduit le coût. Ok, bon, ça m'intéresse pas. Permet d'effectuer un plein saut en exécution. Ok, permet de se déplacer une seconde fois dans les airs. Ok, rien de particulier. Commande par contre, permet d'augmenter la jauge de chaque fois c'est une attaque. Ok. Rassembler peut annuler l'état danger et regagner des PV rapidement. Ok, frapper un nez, ok, bouclier du roi, éradication, permet de passer la limite des dégâts de ses commandes, la limite de ses commandes, ok. Bon, c'est pas fusée éclairante, ok, c'est des trucs, augmente l'endurance de Noctis, permet d'augmenter l'attaque d'un alien danger au moment de se le relever, ok, bon, rien de spécial. Ça serait pas mal de leur mettre ça quand même. Attends, je vais voir s'il n'y a pas autre chose, la magie. Ça par contre, ouais, ça c'est franchement utile. Par contre, la magie est d'un point par niveau. On a un montant de descente, ok. Ouh. Permet de gagner des points de descente élémentaire. Ok, ça c'est vraiment utile. Les âmes fantômes. Accès à l'augmentation. Réduit la consommation de la jauge d'osmose lors de la location. Ok. Moi je veux voir s'il y a un truc pour réduire. Augmente les dégâts infligés par le combo. Permet de gagner des points de compétence en exitant. Ok. Ouais, il n'y a pas le truc pour être pour les utiliser à l'infini quoi. Donc toi j'ai vraiment besoin de toi donc franchement si je peux il prend tout c'est sûr qu'il prend le plus des dégâts. Bon, écoute on va rester comme ça. 24 48 ok. Ça c'est cool. Ok alors aller au camp est-ce qu'on peut se re-téléporter au véhicule. On peut retourner à l'entrée c'est déjà ça. Donc on va déjà retourner au véhicule et après on va voir ce qu'on va faire à la suite de notre aventure. Ouais, alors carte, est-ce que retourner la voiture? C'est parfait, on peut y retourner d'un coup. Et tranquillement. En tout cas ce donjon j'ai l'impression quand je voyais les mobs dès le début qu'ils étaient un peu HL. C'est vrai qu'ils étaient HL, ils étaient quand même 10 levels au-dessus de nous. Et au final, non, ça a été nickel. Et ce que je vous propose, c'est que là, on va un peu dépasser la durée de nos let's play. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode pour aller au Cap KM. A plus!